Je suis Mahamadou Koulibaly, je suis magistrat malien, lauréat de la bourse de l'ambassadeur de France au Mali pour l'ENEM de Porto 2019. Vous savez, le magistrat doit d'abord briller par la qualité de son travail et cette qualité elle ne peut être acquise que lorsque voilà, on est mieux outillé, mieux préparé, surtout mieux instruit pour faire face à ce défi. Là, c'était un changement de catégorie de réalité sociale. Le Malien que je suis, je n'avais jamais quitté mon pays, mais retourner en France, ce n'était pas évident. Vous savez, mon séjour à l'ENEM a été une aventure assez riche en expérience, mais aussi en échange professionnel et en échange culturel. Je suis vraiment intéressant. C'est arrivé, je n'hésitais pas. Je dirais que c'est le moment où je quittais mes collègues français pour mon lieu de stage. C'est un moment chargé d'émotions et tout. Le confinement, ça n'a pas entamé le cours normal de mon stage. Tout s'est passé bien parce que des dispositions avaient été prises et on avait été outillé à cette défi de sorte à travailler à distance et à rester efficace. On était permanemment en contact avec mes collègues. Personnellement, j'étais en contact permanent avec ma DCS. J'ai eu le sentiment d'une mission accomplie. Voilà. Le magistrat du 21e siècle, c'est celui-là qui va nettement vers la quête perpétuelle du savoir, chercher à améliorer ses pratiques. Et je pense bien que la bourse de l'ENEM, c'est l'occasion idéale. C'est pourquoi j'exhorte vivement tous les magistrats maliens qui répondent aux critères de tenter leur chance. Mot de remerciement d'abord à l'endroit de l'ambassade de France au Mali. Je remercie également l'ensemble des corps professionnels de l'ENEM et le personnel du tribunal de grande instance de Troyes.